Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Là, je vous prends direct à Carrefour. Je suis allée pour acheter la cuisinière des filles. Enfin, les filles ont leur petite cuisinière en bois. Sur mesure, comme si on avait mesuré l'espace de leur chambre pour fabriquer cette cuisinière. Et merci infiniment à la tata grâce à qui ceci a été possible. Merci beaucoup, mommy. Merci. Ma, attends, il voit. Soulève un peu la mamie, on voit comment le feu brûle. Dépose la haute à mamie. Tu peux pas quoi, ma fille? La sauce arachide. Tu peux pas quoi? La sauce arachide. J'attends, tu viens me servir. Maman. Ok. Maman, je veux arachide que tu as versé pour elle. D'accord. Donc, tu as pris mes arachides dans la cuisine. Je veux verser pour elle. Le poivre blanc est où? C'est le poivre blanc. Aïe, mais allons y voir. Montre-moi comment ta boîte à poivre blanc se présente. C'est comment? Montre-moi ta boîte à poivre blanc. Ok, oh. Attends, je ne vois pas bien. Ah, d'accord. Ok. Vous avez la vaisselle salée. Ok, la boîte de sel se présente comment? Attends. Ah, d'accord. Vous avez la vaisselle sale. C'est lui là-bas. Ok, maman. La tata m'avait envoyé l'argent de leur cuisinière il y a un moment déjà, mais j'avais la tête à autre chose. Après Carrefour, j'ai fait le marché et là, on passe au retour de course. Hello, je vous prends pour un petit retour de course. Pour les goûters pour l'école. Là, c'est retour de course spécial goûter pour l'école de la semaine. Donc, je commence par l'alvéole d'œuf. L'alvéole d'œuf, c'est 2200 francs. J'ai pris une petite sardine comme ça parce que je compte griller les arachides là pour leur faire pain chargé avec pâte d'arachide sardine. C'est très bon. Je n'ai pas acheté plusieurs parce que la sardine est trop chère. Et en poissonnerie, il n'y a plus la sardine. Sinon, moi-même, je fais ma sardine maison. Avant, je faisais ça régulièrement. Ça, c'est 500 francs, cette sardine. J'ai pris les oignons. Ça, c'est les oignons de 200. Les oignons, c'est pour faire les œufs, faire la pâte d'arachide aussi. Et là, le broli chocolat, c'est... Ça a coûté combien? 2075 francs. C'est pour des jours où... Il y a la flemme, la fatigue. On peut faire un tartinet avec le chocolat. On met une banane et une mandarine. Bon, il y a les jours comme ça. Il faut toujours prévoir des choses qui vont vous aider les jours où c'est chaud. Ça, c'est la banane de 200 francs. Vous savez, quand on n'a que deux enfants qui vont à l'école, ceci est bien suffisant pour la semaine. Donc, la banane douce de 200 francs et les mandarines de 400 francs. C'est suffisant pour la semaine. C'est la saison des mandarines. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Il y a les mandarines au marché, bien même. Ça, c'est pour 400 francs. Donc, vous voyez la mandarine de 25. C'est quand même quelque chose. Donc, la banane, j'ai dit, c'est pour 200. Ici, c'est le mélange de condiments de 300. J'ai pris le poireau de 200 et l'autre mélange, ici, 300. J'aime bien faire les œufs avec ceci, le persil. Vous avez dit que c'est le persil, non? Oui. J'aime bien faire les œufs avec ceci. Donc ça, je vais directement nettoyer, écraser tout et faire bouillir, sécher, assaisonner et mettre dans un bol. En semaine, je peux avoir un reste de frites de poisson et je mets le poisson dans leur sac avec les condiments déjà faits. Donc c'est bien d'anticiper, toujours anticiper. Et là, ce sont les arachides de 1000 francs.
Je vais griller ça tout à l'heure. On n'a même pas de lumière. J'espère pouvoir griller ça et faire la pâte en vous montrant. Parce que si mon petit éclairage, si s'éteint, ça sera trop sombre. Ici, j'ai pris la tomate de 500, les deux paquets là, c'est 500. Bon, la tomate, c'est pour les œufs et pour utiliser pour autre chose. Donc, c'est pas que pour le goûter, pour l'école. Ici, j'ai pris les petits gâteaux lait. J'ai pris ça à la boulangerie à l'entrée de chez moi. Là, mes mains ne sont pas très propres, je ne veux pas toucher. J'ai pris les petits gâteaux lait, j'ai pris le paquet de 400 francs. Quand on n'a que deux qui vont à l'école, c'est encore plus facile. Mais si elles étaient trois, je suis sûre que j'aurais ajouté un peu, surtout la banane. Là, la banane, c'est deux jours. Chacune a un doigt. Et la mandarine va gérer le reste de jours. Donc, voilà un peu ce que j'ai pour le goûter de cette semaine. J'espère que je vous ai apporté quelques idées de goûter. C'est-à-dire arachide grillé, sardine chargée dans le pain, ou alors les condiments comme ça qu'on fait sécher, on fait bouillir, on fait sécher et on accompagne poisson, poulet. Les jours où vous cuisinez, n'hésitez pas à mettre un peu de côté pour les enfants. Le lendemain, vous sortez seulement vos condiments que vous avez déjà apprêtés, vous réchauffez et vous mettez dessus. Moi, je me suis pris un petit dissolvant. La fille là me disait 800. Moi, je lui ai dit, maman, j'ai 500. Elle m'a donné. J'espère que ça va bien nettoyer mes ongles. Quand je n'ai pas le dissolvant comme ça, le vernis brillant, vous voyez mon ongle avec le vernis brillant. À un moment, ça fait comme si ça devient seulement jaune. Donc, j'achète le dissolvant pour nettoyer ça. Et j'ai beaucoup de vernis à la maison, même comme je ne mets même pas régulièrement. J'espère que le dissolvant va me motiver à changer les vernis de temps en temps. Bon, les copines, on se retrouve pour la suite. Là, je suis en train de griller les arachides parce que je voulais faire directement la pâte d'arachide et poser pour leur goûter pour l'école. Mettre la pâte d'arachide dans le pain, c'est très bon. Vous pouvez même ajouter la sardine à l'intérieur, c'est très bon. Sauf que je n'ai pas pu partager tout le processus avec vous parce que je voulais griller les arachides, écraser et faire la pâte d'arachide en filmant. Ce jour-là, il y a eu coupure d'électricité et je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Le lendemain, flemme de filmer. Vraiment la flemme de filmer le lendemain quand j'ai pu faire finalement. Cette herbe-ci, je l'ai plantée à la maison à cause de son utilité et de son efficacité. On appelle ça chez nous le tankeyou. Si quelqu'un a son nom en français, je vous prie de me donner ça sous la vidéo. C'est très efficace pour la toux et le rhume et les coliques de bébé, même si on ne maîtrise pas toujours les quantités. C'est un antibiotique naturel que tous les parents doivent avoir à la maison. Si tu as un enfant à la maison, c'est bien de l'avoir. Je vous montre ça tout le temps. Je ne sais pas comment on l'appelle. Nous ici, on appelle en langue tankeyou. Ça soigne les problèmes d'oreille. Donc, on fait chauffer. Ça soigne la toux. Ça soigne les coliques. Les problèmes de ventre. Bref, multi-médicaments. C'est un antibiotique naturel en tout cas. Même quand moi-même adulte, j'ai mal au ventre, je mâche ça. Ou si j'ai mal à la tête, ou si j'ai l'angine, je mange ça. Là maintenant, je fais le risotto parce que le repas cuisiné à la veille était fini. Comme j'aime hier que oh, je cuisine seulement pour deux jours là. Parfois ça finit, je suis obligée de cuisiner encore soit le sauté de spaghetti, soit le risotto. Donc j'ai sorti les pastèques découpées pour qu'on mange tous ensemble en attendant que je fasse le riz sauté. C'était même un risotto, un petit risotto bien fait avec beaucoup de condiments. C'est souvent rare que je fasse le risotto ou alors le riz sauté avec beaucoup de condiments comme ça. J'ai écrasé les crevettes et quelques épices et le piment aussi pour faire mon risotto. Sauf que je suis désolée de n'avoir pas filmé. Hello, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici.
Je suis chez le pédiatre avec bébé parce qu'elle fait la toux et la grippe. Tu tousses non? Pourquoi tu me regardes? C'est pas vrai. Doudou, je suis chez le pédiatre avec elle. Aujourd'hui, c'est pour le rendez-vous. Asia. Asia. Asia, c'est mamie. Aujourd'hui, c'est pour son rendez-vous. On était déjà là lundi. Et il a donné rendez-vous pour aujourd'hui, vendredi, pour un contrôle. Il a juste dit qu'on va continuer avec les médicaments et ça va finir au fur et à mesure. On prie que ça finisse vite, hein, maman. Parce que la grippe, là, ça t'encombre le nez, là, tout vient s'ajouter dessus. Ici, je suis à Jouvence, chez le docteur Zébazé. C'est Jouvence, chez le docteur Zébazé. Je ne suis plus allée chez le docteur Kago parce que j'aurais pu la consulter à 15 minutes. C'est quand le docteur Zébazé n'est pas là que je parle là-bas. Comme il est revenu, il est rentré et j'étais trop contente de savoir qu'il est là. Parce qu'un gros 15 colos, hein? Les temps-ci, hey, ma fille, les temps-ci. Un gros 15 colos. Elle est bien protégée là, bien bien protégée contre le froid. Hein? Alors, c'est la danse, c'est la danse. Qui fait la danse avec les pieds? La danse, la danse, danse. Alors, danse. Hein? Qui danse? Bisous, bisous. Hein? Bon, terminé pour cette matinée. On part à la maison se reposer et visionner un peu. On va chiller. Journée flemme. On a très vite fini ici. On passe reposer. On visionne, on ne fait rien. Hein? On attend tes soeurs rentrent de l'école nous raconter comment leur journée s'est passée. Je devais recevoir ma réunion. Ma mère et ma soeur sont venues me donner un coup de main par rapport aux achats et aux préparatifs. Parce que quand on reçoit les gens, c'est toujours mieux de se préparer la veille pour être prêt à l'heure. Donc quand on a fini de tout apprêter, de tout nettoyer, ma soeur nous a invités à manger le congrès. Nous sommes allés dans un petit restaurant. Manger le condré, c'est ma petite soeur qui nous a invités. Il y a un style de condré là qu'on fait avec, je ne sais pas moi si c'est les pâtes de bœuf. Et on sert la sauce du taro, la sauce jaune à côté. Mais moi je ne suis pas très fan d'une condré avec la sauce jaune. Ce qui m'a intéressé là, c'est l'obstacle là. Ça m'a même étouffé. Je n'ai pas pu tout manger, mais c'était une très bonne sortie entre filles. Ma mère a 3 filles et nous sommes 2 avec elle dans la ville de Yaoundé. Donc après là, c'était le jour de la réception de la réunion. Voilà comment j'ai un peu disposé mon salon pour recevoir. Et sur ma table de salle à manger, je vais classer le repas. J'ai aussi loué quelques chaises au quartier. Là, c'est 500 francs. J'ai essuyé. Je n'ai pas loué les housses. J'ai pris ça comme ça. J'ai essuyé et après, on a mis au salon. C'était dans le cas où ça devait être utile. Et en fait, ça a été utile. Ça a été très bien de les louer. Parce que quand tu reçois la réunion, si chez toi tout le monde vient et que tu n'as pas beaucoup de meubles comme moi, tu es obligé de louer quelques chaises. Et tout s'est bien passé. Sur mon meuble TV, j'ai mis les verres. Tous les verres que j'avais, tous mes verres sont cassés. Voilà tout ce que j'ai. J'ai mis les verres au couloir. J'avais déjà tout nettoyé. Mettre les assiettes là. J'attendais juste qu'on finisse de cuisiner et que je fasse la table. Donc ici, c'est mon mari qui était en train de faire le poulet dans le air fryer. On s'est partagé les tâches. C'est lui qui était en train de faire le poulet.
J'ai enlevé l'eau du poulet que j'ai mis là-bas avec toutes les autres parties qu'on ne fait pas frire là, pour que ça m'aide pour faire la sauce tomate, le risotto, le riz sauté. Bref, voilà. Ça donne un très bon goût à la sauce et quand tu manges, tu as l'impression que, gars, on a cuisiné avec le poulet, on ne t'a pas donné. Et là, c'est le plantain mûr pour manger avec le ndolé. Dans cette marmite-ci, c'est l'émincé de viande. Bref, on appelle ça émincé tout court. Le plantain que vous avez vu là, c'était pour manger soit avec l'émincé pour certains, soit avec le ndolé. Et il y avait aussi le bâton de manioc. Ici, ce sont les œufs durs. J'ai fait bouillir les œufs durs aussi que j'ai posés sur la table. Et là, on a notre ndolé qu'on a fait cuire, mais ce n'est pas encore terminé. Quand on sait, on fait frire les oignons et on verse dessus avec l'huile et tout. Ça fait plus beau. Et mon petit frère était là en train de me donner un coup de main sur les fruits. Parce que j'ai aussi mis les fruits à côté. Comme l'ananas est moins cher en ce moment-ci, je n'ai acheté que l'ananas. J'ai prévu les whisky, coca, les olives, les arachides grillés et de quoi faire la sauce vinaigrette des crudités que ma cousine est en train d'apprêter. Quand je reçois comme ça, j'appelle le renfort. Sinon, je ne vais pas m'en sortir avec les enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!